pour juste répondre à la dernière question ou Oui, faisons comme ça. Moi, je propose, donc, vous prenez 2 minutes pour terminer de répondre aux questions, et puis Marion ou Florentin, vous résumez un petit peu deux ou trois choses qui se sont dites qui étaient intéressantes, et puis moi, je résumerai deux ou trois choses qui ont été dites qui étaient intéressantes, et puis c'est fini. Voilà. Parfait. Tu as encore la question devant toi, Florentin? Oui, C'était la j'ai le temps de question la d'Adrien. copier-coller. Ouais, c'est bon. Du coup, je vais la lire pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, il faut juste que je la retrouve. Dans la mesure où on peut penser que toutes les découvertes ou avancées dont on parle ici peuvent survenir au moins une fois quelque part sur Terre dans le futur, est-ce qu'on ne risque pas d'assister au même phénomène que récemment avec les découvertes industrielles technologique, à savoir le Zeitgeist se révèle par exemple dans le fait qu'une même découverte est faite quasi simultanément par des hommes qui travaillent de manière indépendante. Plein de découvertes en même temps. Et après, j'ai pas eu la fin, donc j'espère que c'était terminé. Et est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Non, ça n'inspire personne. Je peux donner un éclairage en rappelant que c'est quelque chose qui est arrivé déjà plusieurs fois dans l'histoire pour des techniques diverses, que ce soit, je sais pas, l'invention de l'écriture, l'élaboration de structures architecturales pyramidales ou ce genre de choses. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est à mon avis, juste un petit éclairage. Mais est-ce qu'on peut replacer cette question dans le contexte de votre réflexion? Parce qu'en Oui, discutant comme ça peut-être, dessus, ça paraît un oui. peu curieux. C'est une question. On était en train de parler de la concurrence et que j'avançais l'idée selon laquelle, selon moi, il était bien plus profitable à tous de travailler dans une espèce d'osmose, et notamment avec l'aide du big data et du partage continuel et simultané de l'ensemble des données, et que il me semblait bien plus profitable. Même concernant un quelconque appât du gain, de travailler de manière collaborative et interdépendante plutôt que de se renfermer et d'être plus individualiste et fermé sur des travaux. C'était dans ce contexte-là. La question, enfin, l'hypothèse de l'advenue de même découvertes technologiques dans des sphères qui ne communiquent pas les unes avec les autres se présentait comme en opposition à cette idée d'osmose, je suppose. Oui, Oui. je suppose, oui. C'est vrai qu'on se rend bien compte que ça ne marche pas bien. Hein. Là, en ce moment, on commence à avoir plein de choses qui commencent à marcher. Et donc, y a forcément des coups bas, des protections. Alors, où est la poule, où est l'œuf, on n'arrive plus à savoir. Forcément, il y a une part de ça, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, même l'histoire de l'aviation, comme plein, toujours, il y a toujours eu des difficultés, quoi, quelque part. Bah, ça fait partie du processus. Je ne sais pas si. Enfin, aujourd'hui, je ne crois pas que. La data, c'est l'exemple typique. La data, il y a 10 ans, si on voulait récupérer des données de santé, c'était facile. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. Parce qu'on se dit, tiens, il y a de l'argent derrière, ou bien parce que les institutions se disent, ah oui, c'est important, donc elles ont une sorte de positionnement hiérarchique, hein, ou, enfin, pas hiérarchique, mais positionnement par rapport aux autres. Et donc, d'un seul coup, c'est devenu des forteresses, et soi-disant, tout le monde fait de l'open data, mais c'est l'open data hyper agrégé qui sert à pas grand-chose. Donc en fait, en réalité, ce qui était facile, je me souviens à l'époque, on transmettait des CD, tout ça, etc., est devenu incroyablement compliqué. On a des coups de GDPR partout qui sont plus là pour protéger les intérêts financiers des continents que pour réellement aider les gens. Et donc en réalité, ouais, ça, il y a la friction humaine qui arrive, quoi.
Je pense que, mais donc, je propose d'arrêter le débat ici, mais je vais quand même en profiter pour dire bon, je crois qu'effectivement, les données massives, hein, c'est le terme officiel pour Big Data, les données massives, à la fois, il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus complexe. D'y arriver, et il y a des mécanismes vraiment étranges par rapport à ce qui se passe autour du RGPD, du fait que. Mais tu as raison, je pense, Edouard. Hein, donc, quand vous ne savez pas comment refuser de fournir une information, sortez la carte RGPD, ça peut servir à tout. Et à tout en dépit du bon sens, et pas seulement pour la santé. Nous espérons, Marion, Virginie et moi, réaliser dans quelques mois une conférence, mais là ce sera en anglais, à propos de Big Data, intelligence artificielle et les moyens de progresser pour la longévité. Mais ce serait un autre débat. Je propose encore donc, avant que moi je fasse aussi un tout petit, mais vraiment quelques secondes, résumé de ce qui a été dit par le groupe de Virginie et moi et les autres personnes qui étaient là. Florentin ou Marion, est-ce que vous avez quelques petites choses à dire sur ce qui a été intéressant comme dans les dialogues, dans les discussions que vous avez eues? Marion, je te propose peut-être, vu que tu as Oui. pris Donc, on avait une première question qui était le cerveau stocke des informations et si la durée de vie augmente, est-ce qu'on pourrait continuer à le stocker et est-ce qu'il y aurait assez de place? Donc, on est parti un peu là-dessus sur l'accès à la conscience, la capacité d'oubli. Donc, on a un peu parlé de tout ça. Reprenez-moi si j'ai oublié quelque chose. Et puis après, on a parlé des données cognitives et des biais cognitifs. Donc, il y a eu tout un débat là-dessus, mais j'ai pris des notes. Et donc, si vous voulez, on pourra en refaire un petit résumé par écrit qu'on pourra envoyer, je pense, Didier. Je ne sais pas si Ouais. c'était ça qui était prévu. OK. Merci, merci Marion. Donc nous, notre petit groupe, donc il discutait, comme vous le savez, de tout ce qui est expérimentation animale et puis les expérimentations humaines potentielles. On a un peu discuté à propos de quels sont les animaux autres que les rats et les souris qui pourraient être, on va dire, utilisés. Mais on sait bien que pour l'utilisation d'animaux, particulièrement pour les primates, il y a des règles de plus en plus strictes avec des bonnes intentions, mais et des résistances fortes. On a discuté aussi un petit peu par rapport à tout ce qui est possibilité d'avoir des traitements spécifiques, notamment relatifs à la fertilité. Et puis, Edouard nous a présenté un projet qui va vraiment se passer en France, un projet pour lequel des volontaires pourront se présenter et mesurer leurs indicateurs de vieillissement, pas seulement des personnes particulièrement âgées, mais aussi d'autres citoyens. Tout ça pour permettre comment dire, des recherches et des rassemblements d'informations plus importants. Et puis, on a abordé le sujet, mais on a pu faire que l'aborder, de pourquoi est-ce que finalement, enfin, quelles sont les institutions publiques qui réellement interviennent pour la longévité? Ben, il faut savoir que malheureusement, de notre point de vue, aujourd'hui, aucune institution publique au monde n'a un but explicite de permettre de lutter contre la maladie liée au vieillissement, alors que, au point de vue du secteur privé, il y en a bien plus. Même si, enfin, il y en a un certain nombre, même si ça n'est pas assez, en fait. Voilà. Et donc, maintenant, je voulais vous remercier d'avoir été présent, vous inciter à continuer ou à être
actif pour tout ce qui concerne ces questions absolument fascinantes. Et aussi, donc, bien sûr, que ce soit pour José, que ce soit pour Edouard, que ce soit pour l'association Reels, n'hésitez surtout pas à nous recontacter. N'hésitez pas non plus à, puisque ça, c'est la première conférence, des conférences concernant la longévité, des conférences scientifiques, il y en a vraiment beaucoup, mais des conférences francophones, il y en a finalement pas tellement. Donc, n'hésitez pas aussi à proposer des choses. Donc, malgré les petits les problèmes techniques qu'on a eus, c'est quand même relativement facile à organiser et relativement simple pour tous de participer. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et donc, je vais couper l'enregistrement. Voilà, je le coupe. Merci.